Donc j'aime exprimer ses parties ou condoléances li bon moun yo et pour ta cité non une par une pour connait qui condition yo mouri. Donc nous non stade de spéculation entre 4 et 8. De toute façon, moi mettez bien bas devant des pour yo et me saluer famille yo, madame yo, etc. Et permettre moi tout faire une salutation spéciale à moun Martissan yo kap monte ou moun bado ki jodi a gen la dan yo ki pren 10, 15, 20 ans pou konstruit ti kay pou abite a madame Martimoun. Jodi a moun sa obligé ap dormi sou siman a terre sou place Montamara al dormi kay fami ki te deja pa gen kote pou met moun. Donc moun sa yo encore une fois mwen présenter c'est parti mwen mwen di yo li pa normal mais c'est ça nous joine logon l'état délinquant. Mais mwen di yo ke bel espoir parce que très bientôt moun sa yo a obligé aller et m'espérer ap gagner un gouvernement qui cap gen moun qui conscient de situation pays a cap conscient de situation peuple là qui pour porter remède pour yo parce que jodi a haïtien pas cap vivre comme ça nous vivre pi mal que bête parce que moun qui t'a supposé en charge de pays a en charge de gestion population c'est moun nous fin pa wè cap piller tuer violer enrichir yo. Mais même toujours on est bah ça va jamais durer voler millions piller il y a de fortes chances que pape gétan jouir de toute façon gouvernement transition que m'espère qu'a monté a prend des dispositions une fois pour toutes pour exemple tracer pour affaire impunité on est venu ou tuer ou piller et puis après 5 ans ou al cacher dans pays étranger ou al jouir comme ou tuer moun en toute impunité, ou al cache on contre faire vie ou m'espérer avec gouvernement transition coupé fâché, m'espérer qu'a venir remplacer gouvernement et Macron comme Gabriel là criminel ça. Donc m'espérer changement à privé tout bon. Donc moi dis peuple là, une petite patience. Nous dans bout tunnel là, même gétan ou lumière dans point tunnel là, une petite patience. Bien. Sénateur Steven Benoît, ou t'es dans contre ça côté que des émissaires rentrés dans le pays hein, dans un contexte particulier et que les acteurs politiques en Haïti pas arrivé à entendre l'opposition, le pouvoir. Maintenant, émissaire ça a venu expliquer à la population hein, qui gens rencontrent le passé, qui ça qui discutait en dedans contre ça. Ok. Il parle pour temps parce que vous me mise en contexte. Parce que c'est de mauvaise langue et c'est malheureux. C'est opposition qui a essayé d'écraser opposition. Pour moi, je veux dire, dans le pays, il y a deux camps. Il y a le camp haïtien, le peuple là, qui a tout là-dedans, opposition, société civile, grand coup nous-mêmes, journalistes, monde de bien. De l'autre côté, où il y a le PHTK, Jovenel Moïse, les gangs, le BESAP, tout criminel où on est, le monde qui a violé, qui a pillé, ou bon. Il n'y a pas 1%. Il y a 99% lui-même qui a besoin de changement, qui dit le pas dans le monde, ça y est encore. Comme 1% li gen support international là jusqu'à présent qui va le tomber qui a effrité là qui presque aller net c'est une européenne à l'école dans baïsa et plusieurs moun après à l'école au CARICOM à l'école francophonie à l'école OEA très bientôt nous va rentrer là parler à l'école l'ONU va aller à l'école donc puis devant moun yo pa loin ça m'a dit depuis 10 ans PHTK c'est une association de malfaiteurs de criminels nous va venir là nous même dans tête nationale pour trahison coupé fâché. Nous pas invité OEA, nous pas écrit OEA. On ne peut ça. Je me vois une mauvaise langue, encore une fois, opposition, mon frère de l'opposition qui a chuté, qui a dit oui, je demande et nous demandons vite. Nous pas demandé. Et à sa décharge, DIRPOD écrit une lettre, pas mon DIRPOD, DIRPOD écrit une lettre à OEA pour expliquer la situation haïtienne. Encore une fois, DIRPOD pas demandé OEA de jouer médiation, rôle de médiateur en Haïti. OEA, c'est une instance internationale qui a 34 pays là-dedans qui siège Washington DC. OEA pas pour Almagro, OEA pas pour résident actuel en Haïti à la Cristobal Dupuy. OEA pour 34 pays qui dans Amérique là de Canada jusqu'à terre de feu Chili en passant par 15 pays CARICOM dont nous là-dedans comme une île qui dans CARICOM même à part entière de CARICOM. OEA tande gen problème, Almagro gen d'ap régler affaire à Jovenel, à ce bail pa yo. Entendez accusation de corruption mais nous connaissons m'pa pas confirmer on pa aimer pas ouais que m'pa connais m'pa gen détail parce que connais vraiment ces détails moi même m'pa un document qui pour dire ça Almagro c'est secrétaire général lié c'est employé 34 pays
m'a propre Almagro qui secrétaire général OEA, c'est employé 34 pays membres OEA. Et 35 nous te yon, mettre Cuba 2 en 59, nous 34 pays membres. Almagro gagne pour travail sous dictée, sous l'ordre 34 pays. Yon. Et yon organise un jour, chaque 3 mois, gen un président tournant. Malheureusement, ambassadeur qui était là l'autre jour, ambassadeur Paraguay, une dame qui mourit à un cœur. Et il remplacé par un bon ami Haïti qui est Ronald Sanders, qui c'est ambassadeur Antigua et Barbuda. Monsieur lui-même, il connaît le dossier Haïti parfaitement bien, mais monsieur, c'est une voix. C'est une voix sur 34. Donc, entre-temps, vous avez ambassadeur d'Haïti, monsieur Bokchit, lui-même, qui a servi pour voir. Je ne vais pas dire normal, mais nous comprenons. C'est le pouvoir qui te fait le ministre de Joula. C'est le pouvoir qui balon double emploi. Le ministre, l'ambassadeur à Washington DC, auprès de la Maison Blanche. L'ambassadeur à l'OEA. Une grande première dans l'histoire d'Haïti, ça va me faire. Deuxième bagaille, anomalie. Il y a l'ambassadeur, pour moi, il n'est pas ambassadeur. Et M. Bokchit, pour jamais passer devant le Parlement. Que l'elle en Angleterre, que l'elle te faut passer à l'OEA. Que je dis à M. Edmond Bokchit pour que j'aime passer dans le Sénat. Bien que m'admette qu'il y a près de 30 ans comme diplomate, il fait toutes les amis dans l'affaire étrangère, mais même il n'a pas le titre d'ambassadeur parce que je dis à là, son chargé d'affaires AI que lié et la je dis à chargé d'affaires au gouvernement de facto. Donc, c'est le mot de Bokchit, le mot de Jovenel, qui dit Almagro, qui dit mais ça. Mais comment Haïti? Je dis, ils ont envoyé une mission qui est une mission de fact-finding mission. Ce livre là pour recueillir des faits pour les porter à l'assemblée de 34 sénateurs et 34 ambassadeurs. Et m'a rappelé encore, le monde qui est président tournant pendant ces 3 prochains mois, c'est un ami d'Haïti, c'est l'ambassadeur et Sanders, Ronald Sanders. C'est que nous avons venu, nous avons pas oublié, nous représentons le pays. Je ne peux pas travailler pour eux. Je ne peux pas amalgame qu'a fait et étudier qu'a attendu là. Je voulais nous comprendre bien. Les 5 ambassadeurs qui viennent en Haïti là, ils n'ont pas employé OEA. C'est ambassadeur pays auprès de l'OEA. Même Jean Edmond Bokchit a travaillé, mais malheureusement pas pour Haïti, exclusivement pour Jovenel Moïse. 5 mouns a travaillé pour pays. Et ma cité nos mouns qui étaient dans la mission. Exactement. Nous avons Alejandra Solano, Costa Rica. C'est un ancien, c'est pas n'importe qui. C'est un ancien vice-militaire d'affaires étrangères Costa Rica de 2014 à 2018. Il est entré dans OEA là comme son avocat. Il est entré l'autre jour là, il fait l'entrée dans OEA, il présente l'aide de créance le 26 février 2021. Donc, on l'a dit souvent de jouer OEA. Ou pas comme jouer madame, faites venir. Et pas bien, c'est pas n'importe qui, son vice-ministre d'affaires étrangères. Deux, Ed Hockney, américain. Son diplomate de carrière qui a 26 ans comme diplomate, il était Nigeria, il était Salvador, il était Mexique, il était Sri Lanka, il était Afghanistan. Son avocat lié qui a gradué cum laude avec les honneurs dans l'université de Michigan. C'est pas n'importe qui. Troisième monde, Carlos Jativa. Lui-même, non, c'est équatorien. C'est un avocat. Lui-même, l'autre bord là, il est dans OEA depuis octobre 2018. Et son monde qui parle français très bien. D'ailleurs, il était ambassadeur en France, il était Monaco, il était Latvia, il était Estonie, il était Finlande, il était Danemark, il était en Suède. Son monde beaucoup d'expérience qui fait en 1959, 62 ans. Quatrième monde, Luan Chalchrist. Dame ça, il a une maîtrise en éducation. Son monde qui sont qui ont expertise en éducation, qui sont de Saint-Vincent et Grenadine. Il est tout petit bon côté nous et ses membres. Et c'est pour moi c'est le membre qui est plus important, je vais l'expliquer pour la délégation, parce que c'est le membre carré comme lié. Lui-même l'a siégé comme ambassadeur et depuis octobre 2016. Comme son petit pays où on est dans les ressources, c'est lui-même tout qui servit d'ambassadeur résident au Canada. Donc où on est petit pays, ça va encore pour payer une mission de tous côtés. Et ça a été de nos fêtes. Donc lui-même, pendant là, l'a réglé affaire Canada tout. Cinquième monde, Hugh Hatzett, c'est un Canadien. Et lui-même dans la mission depuis l'APCGOA depuis octobre 2019, son monde qui étudie d'ailleurs aux États-Unis. Et ils étudient droit dans l'université Queens. Et pour dire l'université Queens, même quand c'est Queens College Voltaire, parce que c'est l'université de Queens. Et les professeurs de droit tout, ils disent l'université Queens, mais c'est Queens College. Cela me pourrait continuer.
Et puis, sixième moun nan, c'était un représentant assistant, monsieur, faut vous voyez moun pa ou boutan de bouillon, c'est monsieur Jean-Michel Arigui, qui c'est représentant et Almagro, qui c'est directeur affaires légales dans bas là. Et puis, il y a Christobal Dupouy, qui c'est représentant OEA en Haïti. Sept moun. Sept ambassadeurs ou employé OEA, ou grand employé, d'ailleurs, qui ne va jamais prendre la parole. Et puis, ou bien M. Dupuy, qui ne va jamais prendre la parole, tout qui est présenté, nous, puis Chita, attendez. Cinq ambassadeurs. Chance pour nous encore. Le bon Dieu, qu'on fait bien. Les gens qui sont chef de mission, c'est Caribéen. Madame Anne Rose, Madame Anne Lou Anne Gilchrist, qui sont Tim Dou, Saint Vincent de Grenadine, qui parlent français très bien. Donc, c'est lui-même. D'autres Dieu qui prend la parole, qui dit, yo pas vin là, pour vin by Lord, yo vin tende. Il vin tende. Il va prendre 30 secondes pour dire nous ça. Il dit nous mission nous c'est plus ou moins yo vin tende. Et yo ta remè haïtien entendre éventuellement pour pays à rentrer dans l'ordre démocratique pour une élection. Éventuellement. Le mot Jovenel Moïse, pas jamais cité. Le mot cohabitation, pas jamais cité. Le mot Alchita Jovenel, pas jamais cité. On a dit ba nous la parole. Comme nous même nous quatre là, c'est moun organisé nous hier depuis avant nous vinn dans réunion, nous chaque préparé un papier. Nous dit qui est-ce qui prend la parole avant, qui est-ce qui parle parler sur tel sujet. Tu rappeler moun yo qui quatre au Sénat. Député Jerry Tardieu était qui pour prendre la parole en premier. Ils font mise en contexte la situation. Moi même moi qui pour prendre la parole en deuxième, moi me font historique de comment PHTK a pris le pouvoir depuis 2010 illégalement. Nous allons arriver sur ça avec complicité OEA et Madame Clinton, etc. Côté Jovenel pas fait élection, etc. On a privé sur ça. Troisième, c'était Rodon Bien-Aimé. Antoine Rodon Bien-Aimé, ancien député. Trois mandats, c'est Caval, qui, comme ancien militaire, te parlé de aspect sécurité, aspect banditisme, comment lier, comment pour nous appeler. Et docteur Reginald Boulos, lui-même, lui ramasser tout ça, nous dit, lui font conclusion. Et me dit brièvement parce que vraiment il était bien documenté tout. Et puis il était, comme d'habitude, pour moi il était pas là tout que lui. Et puis il était fait un bel exposé pour le ramasser tout ça nous trois te dit avant. Ça a duré près de d'après moi une heure et demie comme tout, comme d'habitude. Il était très volubile, me parle en pile, mais monsieur était connu parce que Sam d'avoir dit son texte écrit et on est le nom texte écrit, il faut faire entrer sorti sans interruption. Cinq ambassadeurs qui te nous parlé. Et c'est une bonne chose parce que c'est tendé ou vient tendé. Pour eux, nous disons, nous avons un document que nous six entités te proposé que nous signons. Même dire six entités, ça, ce n'est pas six partis politiques. C'est six gros pôles, c'est quatre gros pôles plus deux partis. Et m'expliquer, l'on prend tête ensemble, c'est près de 15 partis politiques qui sont dans FND. Même bagaille, l'on prend tête nationale pour tenir sur coupé fâché. M'expliquez que nous avons près de 15 à 17 entités politiques dans en tête. Et l'on prend, dire pour dire, 8 gros partis politiques. Et l'on prend MTV plus en avant. Ça prend entre 40 et 50 partis ou regroupements politiques. Donc, on dit, c'est presque masse critique de opposition qui signe à quoi ça. Mais moi dit il y a deux ou trois que nous avons aimé, vingt avec nous, et nous citer nous. Nous dit nous bien, mais faut mettre la balance là, nous bien, mais petit dessaline là. C'est deux gros poids lourds, nous pensons, qui passent avec nous. Mais dit je ne sais pas, dit c'est ça, oui, faut mettre la balance son poids lourd, petit dessaline son poids lourd. Donc, total, combien de membres de l'opposition étaient présents? Et il y a plusieurs réunions. Réunion Panouan, il succédait réunion qui était dit pod. Apparemment, dit pod, il y a trois sénateurs Jacinthe, ancien ministre et fusion et Rosemont Pradel et sénateur Yuri Latortu qui très représentatif tout de Dipod. Et apparemment hier il y a l'autre groupe calé, je ne vais pas commenter sur eux. Ce bar qu'on est groupe Yuri a été allé en 3h et 5h moins 5, groupe a dérapé à 5h, nous finir à 7h10, 7h15, donc nous prenons à peu près 2h de temps. Alors j'ai entendu pendant 2h de temps nous parler. Jerry fait un revue déjà à Odon parler. Docteur Boulos parlait, donc on va pas le reprendre tout ça, yo même yo te dit. Mais bon, dit auditeur yo, à aucun moment, on va dire ça me dit, mais bon, tout dit, à aucun moment, ni Boulos, ni Rodon, ni Jerry, d'ailleurs, si yo te dit, on a pas une vie de l'homme qui était sale là, nous tous les quatre, unanimes, pour nous dire,
pas di blanc yo parce que il y a des noirs là dedans qui prend yo qui dit là dedans on vous dit ambassadeur yo j'ai titre yo cinq ambassadeurs que nous mêmes nous constatons même j'ai peuple haïtien 7 février 2021 cosa nous devons parler pour pas venir parler de l'élection nous pas guetan ce nous tout près depuis en l'air mandat Jovenel fini. Jovenel gagne pour l'aller, Jovenel l'alila à cause de quelques moun international avec quelques gangsters qui kebel. Et nous dit, Jovenel Moïse a pensé faire un référendum constitutionnel. Peuple a te dit non, nous elle pas fait. Moi dit yo, peuple a gon l'autre bail dit Jovenel non. Il pas qu'à faire élection. Donc moi dit yo, et ça ça Almagro dit nous. Quelque chose ça représentant en Haïti Almagro a dit nous. Peuple haïtien pas quitter Jovenel faire élection. Un, Jovenel n'inspire pas confiance. Jovenel, c'est un dilapidateur de fonds, c'est un criminel, etc. Mais ça, plus important, Jovenel Moïse n'est plus président de la République. Et m'expliquer, mal prend mandat, m'a dit, en 2017, Jovenel a fait l'élection tiers Sénat. Il ne l'a pas fait. En 2019, Jovenel Moïse a fait pour le faire. Un deuxième tiers sénat, plus député, sénateur encore, et sénateur, député, magistrat, et Kazek, il n'a pas fait. Décembre, octobre 2020, Jovenel Moïse est pour faire élection président, il n'a pas fait, mais c'était son rêve pour être un petit Duvalier, comme c'est après Dieu, pour être dirigé pour contre lui. Et moi, je dis aujourd'hui, Jovenel Moïse est le seul maître à bord, il est chef de l'exécutif, il est chef du législatif, parce qu'il légifère l'absorption des décrets en vertu en voilà pour contre lui, sans contrôle. Et il est le chef du judiciaire. Je sais dire du judiciaire, me dit oui. Il a révoqué, nous n'avons pas de 12 juges pour nous dégager à la Cour de cassation, nous avons 9. Jovenel révoqué 3, donc il était 6 graines. Donc la Cour de cassation, je dis à la, il n'est pas même capable de fonctionner. Et moi, je dis, pire, monsieur, je dis à la, c'est lui nommé tout meilleur. Il n'y a pas de maire, et dame n'était très saisie dame Moussa Kali. Il dit non, il dit la capitale haïtienne n'a pas de maire élu. Il dit Pétionville, on va vivre là, pas de maire élu. C'est 145 moun PHTK que Jovenel nommé. Donc tout le monde a travaillé pour le ministère intérieur, c'est pas moun qui a travaillé pour communion, parce que c'est pas communion nommé. Même le délégué moun qui était arrêté, moi d'ailleurs t'es fini, faut que t'es allé. Le simple fait qu'on arrêté, c'est-à-dire qu'on décide ou jeter. Mandat peut pas débarrer ou non vient prendre mandat ou vient prendre job dans mes Jovenel. Il m'explique ça très bien. Maintenant, je dis, moun sa ou est là pour contenir là, il est tellement à l'aise de position qu'on est là, il décide de changer la constitution. Et me rappeler, là, je me dis, c'est un pilon qui va me dire, me rappeler que pendant ces 50-60 dernières années, chaque président, depuis sous Stenio Vincent, qui besoin Québec pouvoir, li changer, li fait tentative changer constitution et me dit c'est même bagaille Stenio Vincent, c'est même bagaille Bono, c'est même bagaille malheureusement estimé, c'est même bagaille Duvalier en plusieurs reprises père et fils a fait pour yo changer constitution. Mais à chaque fois peuple la campé en face yo gagne, peuple la campé comme le pas criminel yo courir aller gagne malgré peuple la campé comme Duvalier, mais c'est tout ça hein, yo foncé. Ils ont tué des milliers de monde pour arrêter au pouvoir. Et Jovenel, je dis à ce Jean parti là, il est prêt à tuer tout le monde qui campait sur route pour le rester sous pouvoir, pour le faire élection, pour le succéder tête li, ou bien pour le bailler amis mater le pouvoir. M'expliquez ça. Et mal pis loin avec Oval, m'expliquez historique comment PHTK prend pouvoir. Et là, ça, dans l'être là où on me dit le tout, l'être là babi est sorti en anglais, français et créole. Et nous dit en 2010, t'es une élection faite. Et moi dis en 2010, deux candidats qui étaient arrivés en première position pour aller dans le deuxième tour, ce n'est pas yon calé. Il y a une qui calé, Madame Maniga. Je ne vais pas dire que nous venons au Oral. Je dis non, ce n'est pas Oral. Ce n'est pas employé au Oral. Il faut expliquer. Je dis deuxième, non, il n'y a pas quitté le Vini. OEA. Et moi dis OEA. L'ONU et l'ambassade américaine. À repêcher un candidat en quatrième, peut-être cinquième, bien monde qui dit même sixième position, dépendamment de qui possède le ballon de Guénamon. On aura même Sam de Guénamon, même comme sénateur. Pas oublier, en pile, monde qui quitté le bureau de votre, Sam de Ramasseo,
monsieur Martin dit ni deuxième ni troisième ni quatrième. Donc moi expliquer yo, c'est là ni ça fait population haïtienne gon grief contre nous. Donc mais ça nous fait en 2010 et l'ONU et l'ambassade américaine nous mettons moun peuple a pas de voter président. Et pendant 5 ans c'est carnaval seulement président fait et l'Alex l'a organisé une élection frauduleuse pour te mettre Jovenel en 2015. Et heureusement, il y a des gens qui étaient well, ils dénoncé. Et moi, explique normalement, il faut mettre tout le monde qui était fraudé, député, sénateur, président, candidat, de yo. Et m'explique. Maintenant, quelle situation nous est là, c'est un monde qui ne jouit pas d'une popularité qui au pouvoir, je veux dire là, la part de Jovenel Moïse, qui n'a pas de compte pour la population, puisque la population n'a pas de voter. Donc, c'est un monde qui était toujours en folie de grandeur, qui te vle riche, d'ailleurs il est riche, qui te vle un dictateur qui a commandé, qui a fait salve la pays a, pour le moment la fèl, même le dit, c'est mal qu'on est peuple haïtien, pas quitter Jovenel continuer de rive li yo, et moi dit yo, peuple haïtien gagne pour le soulever contre ça. Donc moi dit yo, il y a deux possibilités là, ou bien yo même, il y a le bail rapport là, j'aime pas là pour me dire gon moun gon dictateur qui est populaire, qui criminel, qui a fait des gangs en Haïti, qui a pillé pays, qui a tué. Et yo même y a comme ça y a fait, le y a réuni en assemblée qui disposition y a prend, qui résolution y a prend. Et moi dis yo de notre côté, nous même même travail là n'a fait avec les congressmen américains pour expliquer yo mais ça a fait en Haïti et nous n'a fait même avec l'ONU. Moi même pas compter bon tout clair auditeur. On va demander au EA vinn aider Haïti. En 30 ans, ces 30 dernières années depuis le coup d'état contre le président Haïti en 2011, OEA à travers Ocampo, soyez tout responsable vinn après là. C'était des missions, mais expliquez ça, qui ont failli. Même si on pas parler avec eux, je me dis ça, me dit nous tout là nous t'es dans l'université toujours. Puis faut là de yo. Me dit nous pas nous même. Donc son bail qui fait il y a 30 ans. Donc moi dit pendant que peuple haïtien gagne grief li à OEA, c'est pas avec nous gagner, mais comme vous êtes ambassadeur de l'OEA, faut que nous dit nous instance côté nous accrédité a li fait peuple haïtien en pile tort et vous avez l'opportunité parce que c'est la première fois 5 ambassadeurs accrédités à l'OEA viennent en Haïti en même temps, nous dit nous gagne opportunité pour nous tendre pour nous rapporter par assemblée 34 ambassadeur yo, mais vraie situation en Haïti, c'est pas ça Edmond Boxil a dit nous. Donc, femme d'où yo prend acte, yo écrit en pile, et j'aime volubile, et qu'on s'aime de volubile, je ne parle pas de la passion, mais c'est la vérité, c'est pas la chiffre, et m'ba yo, ou être mémoire, pour yo pas dire gros détail, m'en te overlook, m'en te blie, di yo, m'en di yo mon document, m'ba yo chaque, pour quoi pis, après là, avec Dr Boulos de Distribuel, et moi, je me campe, je me déplace, je me longe une copie de position de Bayo qui pourrait servir à une aide mémoire pour le reprendre l'assemblée qui a toujours allé devant vous pour au cas où vous avez oublié ça, moi je dis. Donc, nous même clair, l'un fini, vous posez question. Pour moi, vous avez une question qui était plus importante. Elle posait en français. C'est l'ambassadeur. Et Carlos Yativa, il était en France, il était Monaco, il parlait français bien. Monsieur dit nous, m'babine là moi-même, ils sont avocats, ils sont diplomates de carrière, pas d'accord permettre de venir parler n'importe qui avec nous tout. Ils nous ont mis en place. Il dit m'babine bah nous l'ordre et moi-même je viens tendre pour mal rapporter et à PIM et à OEA, à l'assemblée. Il dit nous, si est-ce que dit dit à quoi nous là qui proposer une transition parce que c'est non ni il y a même d'abdi gen moun qui parle même pas pour une transition monsieur m'écrit là pour à quoi m'écrit et me vient là on devine faire promotion transition coupe fâché à nous voyez d'ailleurs non équipe me relais en tête nationale pour transition coupe fâché me dit il demande une transition qui va le faire là et elle dit qui va le faire là dans la transition lui dit moi comme ça n'a pas faire élection deux. Donc ils ont deux volets. Est-ce qu'on a qu'à restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays? Moi dis l'ambassadeur Jativa. Deux cas. En 90, c'était une transition avec une dame qui est et un juge haïtienne qui était le Pascal Trouillot.
dans 12 mois, li font transition, li fait une meilleure élection, deuxième meilleure élection dans le pays. Docteur Boulos seul, il crampé moi, il dit non, sénateur, vous trompez, c'est pas 12 mois, c'est vrai, c'est 10 mois. Monsieur Madame Trouillot a monté en mars 90. 10 mois. Madame Nugget a organisé toute bagaille et je dis à me dire compliment Madame Trouillot soit attendu. Je dis deuxième cas, 2006. Je dis, oh là, l'ONU, plusieurs ambassades qui là. Il me garde Américain en danger, monsieur Rotny. Monsieur Rotny, bah où même on parle là. On parle en Haïti, même dit. Nous faisons coup d'état contre Aristide en 2004. C'était un départ désordonné. Ce n'est pas ordonné. C'est-à-dire que je me dis, je m'a prôné un départ ordonné. Je me dis, tellement de mal, il n'est pas ordonné. Nous prenons le président, nous virons les avec lui. Nous ne pouvons pas compter pour le mener. Finalement, nous menons la République centrafricaine. Après quelques jours, nous prenons, nous retournons avec Jamaïque. Après quelques jours, nous prenons, nous tournons avec l'Afrique du Sud. Et, peuple n'a pas de proposition sous table, opposition. Et, nous te prenons la tortue. Donc, moi-même, je dis, en 2006, après coup d'État, on avait l'opposition, t'es dehors, mais grosse transition que t'es faite, sans opposition en particulier, mais transition t'es réussi. Un, problème de sécurité, on devait répondre avant, on dit problème de sécurité en 2004, je déprends malheureusement, et bien, l'opposition t'a choisi, c'est l'ambassade américaine encore qui t'a choisi. Un petit lieutenant, un jeune petit lieutenant, qui t'a commandé un garde-côte, qui relait Léon Charles à l'époque, qui avait peut-être 30 ans, peut-être moins, il mettait comme commandant chef de la police, alors que nous avons un ancien major, ancien capitaine et ancien DCPJ, ancien DCPA, qui a pile expérience et dans l'armée et dans la police, il mettait sous tête. Résultat, fiasco, parce que tout le monde dit que je commande des troupes, c'est bon monde qui est jeune policier ou même militaire, il a échoué piteusement et m'a dit, monsieur Toledo et Yativa, correction portée, un an après, nous prenons une expérience qui est le moyen de soi qui est encore vivant. Et lui-même, il s'est entouré d'hommes et de femmes capables, dans moins d'un an, il résout le problème. Non. Donc, je dis, ça peut se faire, moun qui te résout le problème, gang qui t'a violé, tué, kidnappé en 2004, 2005, 2006, 2007, là, le problème te résout. Je dis, en 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2011, avant l'arrivée de Martelly et de PHTK au pouvoir, n'importe moun, nan n'importe la coin pays a te kap pren machine nou à 3h du matin ou sot ans deno. M salue député Joachim à moun ans deno pour courage l'autre jour là. Ou kap monte sot ans deno, passe les Iwa ou monte Monte Nicolas ou kap sorti Walamek ou Al Jérémy. Donc la paix régnait en Haïti en 2011. Mwen di li, deuxième point, un petit B dans question là. Mwen di élection. Mwen di élection 2006 là. Que transition ont été organisée, c'est la meilleure élection de tous les temps qui j'aime organiser en Haïti. Moi, je dis que 10% députés, sénateurs, magistrats qui étaient élus, pas de contestation pour eux. Nous, la mesure, dès qu'on est. Seulement, je dis le président, c'est un petit problème 48%, 49%, et moi-même, je suis pour le deuxième tour. Je me dis là, pédagogie, il faut être faite. Mais, malgré tout, prévalérant comme président, pratiquement sans contestation. D'ailleurs, il forme un gouvernement d'union nationale, d'unité nationale, j'ai intérêt là. Et puis, je me dis, le pays se portait bien. Jusqu'à l'arrivée de Martelly, et le SA, il me dit, OEA, et me dit, là, nous lisons là, c'est de par leur faute. L'OEA, je me dis, pas nous, même ambassadeur, mais organe nous, t'es toléré, t'es situé, t'es même suggéré. Gagot Martelly et Gagot Jovenel là nous dit à nous même nous responsables et ça fait haïtien pas fin droit remet nous pas faire nous faire nous confiance moi dit nous cinq moi connais pas nous comme vous êtes des ambassadeurs donc moi voulais dire nous ça moi dit ambassadeur oui nous cap restaurer l'ordre de la sécurité oui les experts haïtiens sont là André Sol vivant tout le monde qui était là à côté les commissaires de police les inspecteurs de police les agents 1 2 3 4 qui t'a participé dans craser gang yo en 2005 2006 2007 2008 yo vivant bon, peut-être bien quelques mois je connais la moi gang yo c'est target c'est tuer policier donc moi dit l'expertise est là et moi dit yo nous avons plusieurs moi comme monsieur c'est équateur sorti moi dit nous avons plusieurs depuis longtemps nous avons des haïtiens que nous formé des cadres nous formé équateur moi dit merci nous dit gouvernement merci nous formé plusieurs cadres et moi dit ambassadeur Hatni nous dit vous connaissez même non que nous avons plusieurs haïtiens qui passaient dans l'académie ou bien dans le camp d'entraînement nous c'est une adoration
de Texas et il y a plusieurs nan nous qui passaient dans le camp américain donc nous dire merci tout pour expertise ba nous donc on dit ambassadeur Hativa nous gain expertise en Haïti kou gangster ça yo aller transition connait côté pour la chercher expert en matière de sécurité nous pour aller chercher yo et nous pour aller résoudre problème gang nan et élection a fait mais pas avec Jovenel Moïse pas à ça monsieur nous pas comparer pour l'élection à ça faut nous sécuriser pays d'abord nous gros problème carte électorale monsieur me dit moitié monde qui en âge de voter qui c'est 7 millions donc il y a près de 3 millions 3.5 millions monde qui paraît carte électorale là pour un petit temps pour nous faire audit sous ONI ou audit sous CEP faut mettre notre CEP moi dit lui même mon cap du et le samedi m'a parlé pour tête moi même imaginer élection si nous voulons être le plus près possible de la constitution, la constitution depuis janvier 2020. Mais dis moi-même, moi pense nous cap font transition dans 18 mois. Et ben moi de me dire moi pas information. Et moi dis pour nous être le plus près de la constitution, nous avons une date constitutionnelle pour député sénateur prêter serment, c'est le deuxième lundi de janvier. Nous avons une date constitutionnelle pour président prêter serment. Le pape qui prêter serment 7 février 2022. Moi dis moi ouais élection en octobre 2022 et puis en janvier 2023 n'a bien député sénateur élu 30 sénateurs et me préciser 30 sénateurs élus 119 députés élus parce que loi électorale pour changer et 145 magistrats élus qui pourra gérer communion au lieu de gagner moun sa ou là donc moi dit mes positions et moi dit lui question est-ce clair il dit comme de l'eau de coque et question ça seule question poser il te besoin qu'on est est-ce que transition cap restaurer la paix je te dis il dit remarquer que effectivement pays a gangsterisé et moi dit parce que comme quand on t'a parlé à nous on vite qui montrer tout jalousie me dit voilà il y a 500 000 monde qui vivent là dans mon hôpital là il me dit ouais moun sa yo c'est électorat mieux c'est eux qui mettent me député c'est eux même dans bidonville là qui fait me sénateur moun sa yo dit là yo pas ka marcher la caillo yo pas ka dormir avec DG fermé parce que gang envahi yo depuis Pétionville me dit c'est même moun sa qui veut Matisson dans nouvelle là on dit ou pas faire rien moun sa yo pas vivre donc on dit faut moun yo vivre et moi même qui représente moun sa yo parce que c'est électorat moi donc moi voulais la paix tourner pour yo pour moun sa yo cap vaquer librement à occupation ma bonjour bon bonsoir sénateur Benoît nous content vous avec nous dans caïla n'a font échanger avant puisque c'est vous même qui t'es participé dans on dit évaluation que vous a venu faire dans le pays pendant deux jours. Je me dis évaluation parce que je me suis dit que j'étais à l'école, j'étais dans la primaire. Il a fait évaluation orale, professeur Alel Chita. Les questions le posées, il n'a pas interagi avant, il a juste posé des questions, on va répondre. Et par contre, qui note là-bas où? Et je me suis dit l'image là bien, on était qu'on croisait bras nous devant le professeur, vous comprenez mal? Avec tout respect, ça m'a demandé pour nous répondre. Ce exercice comme ça, malheureusement, que OEA vient faire avec politiciens dans le pays. Je m'en vais de motion. Bon, non, je vais finir. Parce que ça m'a fait à son description, m'a fait au connaître qu'on s'allie. D'ailleurs, on se dit son seule question au poso. Et je dis à OEA qui vient, hein, ce n'est pas notre dialogue, notre échange, il vient. C'est venu, il vient, il vient prendre information pour aller, leur arriver, pour dresser le rapport, pour voir le banc. Donc là on a examen et même j'en lis tout professeur a fait test oral là ou croiser bras ou m'a dit de croiser bras non mon croiser bras avec tout respect ça m'a dit lui poser aux questions ou répondre lui pas rien lui aller là préparer carnet à vous là au bon carnet ou en nous compte ou t'es bien répondre ou bien ou t'es mal répondre donc exercice là n'a besoin de résultat dans 2 semaines dans 3 semaines mais question pour vous, sénateur Benoît pendant que le balai pour commencer à constater mon espoir. Oui, on va faire ça. On est toujours en Haïti pour faire type d'exercice. Combien de fois songer que il faut exercice comme ça dans le pays d'Haïti tout pour aller expliquer l'OEA ce qui passé et puis après ça, ça OEA proposé dans le rapport que le bail là, qui est assez souvent que nous mettons en application. Est-ce qu'on songe une travail ça que OEA convient faire dans le pays d'Haïti qui compte porter fruit déjà qui compte c'est des rapports satisfaisants qui t'a fait nous croire je dis à que après évaluation ça que OEA vient faire dans le pays d'Haïti qu'est-ce avec nèg qui dans pouvoir qu'est-ce avec dans opposition yo tout à répondre question OEA
qui ça qu'a fait nous croire que cette fois-ci a gagné des résultats satisfaisants qui permettent que nous sortir dans crise que nous tout le monde a la carrière de doléances sur à expliquer monsieur Loria mais qui s'est passé dit pays a qui ça a gagné comme assurance qui ça a gagné comme garantie que cette fois Oya a venu avec un rapport cap satisfaisant cap permettre que pays a sorti côté lié là mais cap dire seulement mais cap dire zéro assurance mais pas ça me fait là je me pas venir l'école là ou pas évaluer c'est je pas évaluer Oya a fait ça alors même du premier mois le mot évaluation ne convient pas. Et moi, on connaît pas convenable. Oui, son provocation, mais pas de problème. Non, pas de provocation. Non, mais, on va pas la capable de venir évaluer. Moi, c'est certain de la République. Je fais autant de temps l'école que je ne travaille pas, je ne pas sous payroll au EA, je ne demande pas au Vini. Je demande moi un compte. Je demande moi, je vais me rencontrer. Est-ce que je peux tout inclure biome? Mon qui écrit me dit oui. Est-ce que je peux tout inclure liste mon cap Vini à biome pour moi tout? Bio assez responsable de CV. Et mon CV, non, mais information sur mon nom. Oui, c'est normal. Mais selon Chita en face au monde, il faut qu'on carton qui dit non, mon nom côté de sortie, il faut qu'on carton devant, c'est mon nom, pas un ami, pas un ami. Donc, mon nom vini, et bien, il va venir évaluer, il va venir te dire. Il va trouver le dame, il va bien faire quand il va venir évaluer. Qui doit yo? Pour venir évaluer, il va venir te dire. Il va venir évaluer la situation en Haïti. Oui, là, le mot évaluation est convenable. Ah, oui. Non, non, mais moi, il va venir évaluer. Non, il va venir évaluer. Oui, il va venir évaluer la situation en Haïti. Mm-hmm. À travers évaluation, pour bien faire l'évaluation, il va chercher une équipe moun crédible, une équipe moun de l'opposition, une équipe moun de la société civile. Et il y a le temps de pouvoir. Il y a le temps de jouer avec le Joseph, je suppose, oui. Qui suppose blé à moitié. Mais ça ne problème pas. Peut-être tout dans l'autre monde, il y a des gens qui ont fait plein, des gens qui ont exprimé mal, des gens qui ont demandé. Moi-même, à trois personnes qui étaient à côté de moi, c'était trois hommes d'État, deux anciens députés avec un chef d'entreprise. Je n'ai pas besoin d'un meuble, mais c'est le gars assez propre, il avait demandé mon nom. Trois personnes qui étaient à côté de moi, ils étaient comportés en des hommes d'État. Et moi-même qui rete un homme d'État, moi-même bat mes évaluations à blanc et me dit ambassadeur, excusez-moi, auditeur. Ambassadeur vient, il dit, viens t'en. Et à aucun moment il n'a pas essayé d'influencer, d'ailleurs à aucun moment il n'a pas été un homme. Non, il n'a pas gagné, vous dites. Non, attendez, vous venez. Non, il vient t'en. Oui, sans et audition. Même, oui, bon, il n'y a pas audition. Il vient t'en. Audition, c'est mon café chez Drop. Pablo fait ça, non, ma foi. L'autre fait audition, mon qui vient faire audition, on va chercher. Il vient d'un Drop, et ça, audition. Ou vient d'un prime, ou vient d'un un classement, un côté, on va chercher. On va chercher. Mais bon, moi, je dis pas tout. Est-ce que tout le monde qui a la réunion au Kounia, il n'y a pas deux semaines après, qui ça a sorti comme rapport? Est-ce qu'on va attendre ça ou non? Moi-même, je parle tout le monde. Oui. Je viens, je parle, je parle un document et je prends le soin. Je rends un document public ou l'île, sous l'île, ou bien pas d'accord avec ça, même sous l'île. Et où est l'île? Ou est-ce qu'on est capable de mentir? Parce qu'on grand menti, je fais ce qui est un nom qui dit et puis je veux dire, la population aussi de mentir, on dit qu'on est mentir, je parle. Je ne peux pas dire tout le monde, pas j'ai mis. Moi-même, si je ne peux pas le supercher, je ne peux pas dire un livre sur le supercher. Donc, moi, je dis ça, mais ça, je fais ça. Et moi, je peux mettre la position. Maintenant, on va laisser l'ambassadeur retourner chez eux, à Washington, ou bien à leur bureau. Il n'y a pas de rapport, je suppose, il y a un avion. Il y a un rapport ou non? Il y a un avion là. Non, il n'y a pas de rapport à l'Assemblée. Évidemment. L'Assemblée a payé. Non, l'Assemblée a payé bien l'avion pour vous. Il paye manger pour vous. Il paye hôtel pour vous. Pour venir en mission. Même gens. L'un des députés sénateurs, l'un avec Kobou, il a envoyé mal à l'étranger que dans la Suisse, que côté malais pour payer. Mais l'un malais, premier voyage était Tunisie, je vais oublier ça. L'un vini, je soumets un rapport, mais qui avion me prend, mais à qui l'homme arrive, mais qui hôtel me descend, mais copie discours devant l'Assemblée, mais qui parlementaire, mais qui fait ça, il y a des gens qui sont dans là, mais qui m'ont rencontré, et demain, je vais tout le monde à part. Pendant l'Assemblée, j'ai toujours eu un rencontre avec les social-démocrates, j'ai toujours eu un rendez-vous sous côté. Je ne sais pas. Même tout, je suis là, c'est pour l'Assemblée qu'il travaille. Je suis un rapport pour l'Assemblée. Maintenant, ça, je dis à l'heure, pas de COVID, même chose, attendez. Point ça, pour moi, ça qui est important, chef délégation, c'est une caribéenne, Cancun. Ils sont 627. C'est une femme noire, Cancun. Elle va me dire le plus bon monde, non? Mais, moi-même, qui fait dans la Caraïbe, qui c'est même Caricom,
mais qu'on rapprochement avec le CARICOM. Et CARICOM, traditionnellement, il va côté Haïti. Traditionnellement. Moi, pour mon devient quand même, moi, pour mon racketeur quand même, mais traditionnellement, les pays de la CARICOM soutiennent Haïti. L'un des problèmes. Donc, bon, moun là, madame de Genti, parole pour lui-même. Comprenez? Et, je pense que lui, pour la parole là, je ne parle pas, non? Il y a un caucus là-bas. Il y a un caucus latino-américain. Il y a un caucus CARICOM. Et puis, il y a le bon, grand blanc, les Canadiens américains, il y a un caucus. Mais nous-mêmes, CARICOM, c'est 15 ou 34, nous. Donc, si vous prenez 15 ans déjà, vous influencez le bien. Ou bien notre frère de l'Équateur, même penser, moi-même, penser. J'aime ça, regarder, j'aime pas la question, je pense, me convaincre. Et ainsi de suite, dame pour CARICOM, pense que très, son dame qui était ministre affaires étrangères, vice-ministre affaires étrangères, son monde qui comprend pour la matière, parce que je le parle, lui-même, moi, je lui fais parler après. Et moi-même, moi, pense. Canadiens américains ne parlent mais c'est convaincu. Et me dire ça, ils ont leur déjà leur ambassade en Haïti. Ils ont même State Department très connaît situation en Haïti. L'ambassadeur américain, si par le vote de résolution est canadien, pays qui ont représentant, ça n'est pas dit underground qui là sur le terrain, a dit mais comment vous votez? Donc moi-même, je n'ai pas trop besoin d'influencer. Opinion américaine canadienne puisque maintenant il y a une opinion déjà opinion fait déjà mais l'homme en face un costaricienne m'en face un équatorien m'en face un caribéen qui sont 27 c'est première fois dans l'histoire d'Haïti que je sache mais l'histoire marronne l'histoire récente que m'a 7 ambassadeurs qui déplacent vintende des hommes politiques en général mission salier je voyais secrétaire général a voyé un assistant un monde un technicien dans bureau un membre cabinet. Il est en fait dit assez souvent. Il est en fait dit il est en côté comme le parle statuer qui comme la son parle bail, il voit on est ici. Néglas parle avec président, parle avec premier ministre, parle avec ministre affaires étrangères, il parle à deux trois monde de l'opposition, des fois qui pas crédible mais pas représentatif de société là. Et puis il parti, il bail un rapport assez souvent erroné de vraie situation. Fois ça ne pouvait pas un employé Almagro qui dit non, t'es employé. Il avait pas droit à la parole. Il n'y a pas de balle valide. Monsieur a écrit seulement, même il a tapé la écrit. Et je ne vais copie, il me dit pour bailler à ma gueule pour moi. Je ne vais copie. Vous voyez, on copie pour monsieur. Je vais copie pour lui quand même. Et puis, des fois, je me dis, Ronald Sanders qui a copié déjà. Je vais dire, email. Je vais dire, nous sommes en 1980 pour mettre tomber la poste, le rivon mon capchi. Vous d'abord, nous voyons tout ça. Vous sont rien pour nous convaincre que. Situation macabre, situation macabre, mon équipe, mon équipe, non, pas avec des solutions. Mon équipe qui parle de place, li, qui est constitutionnel, mon équipe qui fait des gangs, mon équipe qui décide de pouvoir pour 50 ans, mon équipe qui est dangereux pour la population, mon équipe que la population de sa vaste majorité écrasante dit lui parler encore parce que nous sommes pas bon, parce que le mandat est fini. Nous-mêmes, notre travail est fini. Mais même qu'on est à un moment donné. Qui importance rencontre ça réunion ça yo là on se dit d'ailleurs que et assurer ce qu'il a porté vraiment un rapport cap satisfaisant assurer ça c'est zéro pour moi demander qui assurance même tout pas assurance maintenant âme et conscience les 5 ambassadeurs est-ce que on va rédiger un bail commun si on t'entend on presque doute fort que américain pour aller d'accord tout ça caribéen pour aller dire dame c'est 27 ans, par contre, comme le monde c'est en français, mais ça a petit la ambassade de 5 maisons. Par contre, si il est 20e, par contre, ça me baronne. Gardez-vous nous, comme le monde c'est maisons, on dit qu'on est pour le moins. Et Goladine. Donc, moi-même, tout le monde n'a pas écrit rapport, mais le bal bail assemblée. Si on résolution qui vous dit, parce que ça le connaît, est-ce qu'on approuve du rapport? Mais c'est un rapport. Maintenant, à partir de rapport là, rapport là qui a fait objet de débat, rapport là qui a fait objet de où moun pour le proposer suite. Je ne peux pas dire, je me fais 10 ans en assemblée. Et je me prends très bien. Donc, mal l'ONU, plusieurs fois tout. Vous pouvez répondre, non, si on l'a fait un rapport qui est satisfaisant pour le pays de l'Haïti. Oh, moi, je me fais rapport tout le temps. Oui, 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 je m'en parle. Non, on va, je ne vais pas me raconter, je ne vais pas me raconter. Tout ça arrive. Tout le temps. C'est toujours ou envoyé spécial de secrétaire général Lakvini. Et moi dis on là où il là ça correspond pour ça moi dis en 30 ans on a pas jamais proposition pour Haïti pour peuple là
dit ça dans l'état. Où l'est-il? Ah ben oui, pour nous assurer que cette fois-ci. Est-ce qu'on l'est là? Exactement, pose une question. Est-ce qu'on l'est là? Ça bonne assurance que cette fois-ci. Je n'ai pas. Oui, mais tout on a tout on était témoin. Je n'ai pas d'assurance. Moi, du à travers le débat, m'espérer que les m'a convaincu, m'espérer que Parole, Jerry, Boulos et Odon, Sorel et Rosemont et Yuri dit m'a connait responsable qui d'aller m'a connait même connait des droits humains des secteurs privés bon mon dieu m'a connait qui est choyé donc pas parler pour yo mais m'espérer sept monde de opposition sur cité baou là sept monde ça yo bay parole heureusement pas c'est pas n'importe qui tenant ces ministres Yuri c'est deux mandats de sénateur c'est pas n'importe qui donc mais Sorel c'est quatre mandats trois députés ou sénateur c'est pas n'importe qui c'est monde qui habitué à l'enfort international m'dou m'batté ça dit non mais m'connait monde ça cap convaincre donc nous dou à travers ça nous dit à travers ça le rapport parce que on a dit le rapport et ça que même prend le soin de m'envoyer document tout monde dans l'assemblée a gagné copie ça 34 monde a gagné copie là donc il a décidé de faire même maintenant à travers le rapport oral qui va le faire yo cap peut-être demander ça arrive yo cap dit un nous pas gagné assez information. Vous savez, mon gars dit, ah, mon monsieur Sarab dit, je ne vais pas faire Bolivie, ou ne vais pas faire Paraguay, je ne vais pas faire Ami, Venezuela. Cap dit, ah, mon cher, ou bien Dominicain. Cap dit, ah, mon cher, je vais attendre, une monde qui yo qui dégain par le point ça, et pour éviter Yuri. Ça peut arriver. Et puis, qu'on a Yuri à le déposer devant l'Assemblée. Ça se fait. Tout le temps. Et à l'ONU, et à l'OEA. Mon nom d'arrêt, mais si et moi, ou qu'on est capable de déposer moi-même. Je vais documenter. Ah, c'est un bail. Deux, yo k'ap fè proposition. Yo k'ap fè proposition pour tout sorti résolution sur Haïti pour condamner bail Jovenel. Ça peut arriver. À pas une européenne fait l'autre jour. Ou t'es pensé il y a une Union européenne qui k'ap fè ça fait l'autre jour là comme résolution. Ou pas jamais connait. Mais ça me dou. Non, ou pas jamais résultat là, gon quand même qui parler. Non, bon résolution. Parce que tout monde paraît bien proposé, tout monde dit ça aujourd'hui. Non, madame Bab. Mais mon proposition là c'est pas ça mais Bon, là, pourquoi le sauter, les gars, ils se font sauter. Soit bien.